aningizile baya ya ningizile aningizile baya ya ningizile ngeumbwata waiza wasisameno kala ingango ngumwe banike sakane. Fait partie des grands de la rumba. Quand j'étais plus petite, je rêvais d'être danseuse de Koffi Olomidé. Je voulais être au quartier latin. Ça représente un modèle pour un jeune chanteur congolais. C'est un Johnny Hallyday, c'est un Michael Jackson. Je fais la fierté de notre musique. On ne présente plus la légende vivante qu'est Koffi Olomidé. Artiste de talent, personnalité controversée, on a tout dit et tout entendu à propos du grand Mopao. À l'occasion de la sortie de son album 13e apôtre, Trace Africa a eu la chance de s'inviter chez le Quadra Koraman afin de découvrir l'homme qui se cache derrière l'artiste. Oui, il n'y a pas de rapport. Hein. Moi, je suis dans mes baskets, dans mon short quand je quitte la scène. Je ne suis qu'un mec normal. À travers son propre témoignage et celui totalement inédit de ses proches, nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur la personnalité du Rambo. Que ce soit ses bons ou ses mauvais côtés, ils ont accepté de nous raconter sans détour leur Koffi Olomidé. Il donne sans attendre quelque chose au retour. Quand il fait un geste, c'est pensé. Il ne fait pas pour se faire valoir. Parce que Koffi, c'est quelqu'un qui aime le vrai. Le franc-parler. Des fois, il devient super incontrôlable. On fait de la sorte que bon, ça c'est pas bien, il faut éviter ça. Mais à la fin, il écoute quand même. C'est pas facile de devenir une grande star quand même. C'est pas facile, mais je tiens les règles. Quand il veut me parler en tant que grand frère, il dit Robert, avec sa voix là, le suave et tout ça là. Il nous faut au moins une famille. Et dans une famille, qui pleuve ou qui neige, on est ensemble. À travers ce document exceptionnel, vous allez découvrir non seulement la véritable personnalité du grand Mopao, mais aussi et surtout ce qui fait de lui un infatigable prophète au service de la musique congolaise. Bienvenue dans l'univers de Koffi Olomidé, le 13e apôtre. Kinshasa, août 2015. C'est chez lui, au cœur de l'une des plus grandes mégalopoles africaines, capitale de la République démocratique du Congo, que Koffi Olomidé nous a donné rendez-vous. Comme chaque été, il organise son bal des vacanciers. Notre reportage commence quelques jours avant le concert, durant les répétitions du Quartier Latin, le groupe mythique du grand Mopao. Là, ce sont les anciennes chansons de Koffi, en fait, qu'on est en train de revoir. Donc, ils sont en train d'assimiler parce que les gens aiment beaucoup ça. Plus le temps passe, plus les gens aiment les chansons que j'ai fait il y a longtemps. Donc, En 30 ans, le Quartier Latin a vu passer de nombreux musiciens et continue toujours d'attirer les jeunes talents de tout le pays. Avec un répertoire de près de 300 chansons, il faut sans cesse répéter et former les nouveaux venus. Référence absolue en matière de musique congolaise, pour ces jeunes, le Quartier Latin est une université et Koffi le professeur qui leur apprend les secrets du tchatcho. Et qui sait, parmi eux se trouve peut-être déjà le nouveau Fally Ipupa. J'ai beaucoup de chance, j'ai eu des gens de talent qui sont aujourd'hui connus. Donc tous ces jeunes, ils sont venus. Il est arrivé une ou deux fois que moi, je découvre, je déniche des gens et que je les amène à la répète du Quartier Latin. En général, ils viennent. Mon patron, Koffi Olomidé, c'est un grand encadreur. Depuis que je suis avec lui, j'ai appris beaucoup de types sur la musique, donc j'ai appris beaucoup, beaucoup. Il maîtrise bien son travail, quoi. Quand il joue à la guitare, il chante bien. Au même moment, il joue à la guitare, au même moment, il chante, donc c'est merveilleux, quoi. Auprès du Quadra, on est en train d'être coaché, quoi. On est en train d'être coaché. On est en train de prendre ce qui c'est la musique, ce qui est les mélodies, les battements, les tempos, les tchatchos. Le
Chacho, c'est à la fois cette rumba suave et la douceur des mots de l'artiste qui traduisent l'évanescence de l'amour. C'est la sensibilité du cœur transfiguré en musique, un mode de vie pour Koffi Olomidé. J'ai dit Chacho Isamai, ce qui au boy comme là, au sucola. J'ai dit Chacho c'est l'eau. Même si tu n'aimes pas te laver, tu ne peux pas t'empêcher de boire. Voilà. Donc c'est la classe, et c'est ce qui reste. C'est peut-être ça aussi le secret de cette longévité. C'est l'attitude Chacho. C'est-à-dire ne pas faire des choses de façon opportune. Ne pas saisir les occasions. Mais faire des choses avec son cœur, rien qu'avec son cœur. C'est quand on fait avec son cœur que ça dure. C'est quand on épouse une femme parce que le cœur le commande que le mariage perdure. Ça fait partie de son caractère. Le côté amour de Koffi, quelqu'un de passionné, de sensible. Donc il peut vivre une situation ou voir quelque chose qui deviendra une inspiration pour lui. Voilà, donc moi j'ai été avec lui dans des situations, il peut rester comme ça calme, ou même il était couché, il s'élève, du coup il prend une guitare et il commence à murmurer quelque chose, à fredonner des sons. Il avait l'habitude d'avoir des petites cassettes comme ça, il enregistre et c'est comme ça que les chansons partaient. Et il prend le stylo, il écrivait. Voilà quoi, donc c'est quelque chose qui est en lui. Aide-moi comme une nuit du jour. Et chaque jour de ma vie, c'est toi. J'ai beaucoup aimé les œuvres de Koffi. On sentait beaucoup d'imagination dans ses chansons. C'est parmi les plus belles plumes de notre musique. Moi le côté Koffi que j'aime, c'est le côté artiste. Parfois, quand on est ensemble, quand il joue à sa guitare et qu'il chante, tu vois des larmes dans ses yeux. Tu sens qu'il est vraiment dans l'œuvre. Il est dans son art. C'est ça ce que j'aime beaucoup de lui. Il est pleinement dans son art quand il le fait. Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontière et Aliwa. Tanga photo. Et son art, il n'est nulle part où le Mopao ne le pratique avec plus de plaisir que sur scène. Malgré le nombre incalculable de shows qu'il donne chaque année à travers tout le continent, pour Koffi, chaque prestation est comme une renaissance. La scène est son royaume. C'est vraiment chaque fois un recommencement, une nouvelle vie. Chaque concert, c'est une nouvelle vie en soi pour moi. J'oublie la fatigue. Là, par exemple, dimanche, j'ai chanté samedi à Brazzaville. Les gens ne voulaient pas s'en aller, ils voulaient que ça continue avec la nouvelle danse, là, Niamayeyo. Et ils ne voulaient pas partir du tout. Et puis, j'avais des appréhensions. J'ai bu thé sur thé pour ma voix. Puis j'ai dormi un peu, j'ai même pas pu bien manger. Mais quand c'était mon tour de monter sur scène, après le quartier latin, après Cindy, quel bonheur. Quel bonheur de voir tous ces gens qui étaient là. C'était un bal en blanc. C'était magnifique. C'était trop. Quand il y a ça, quand on voit ça, on n'a même pas droit à se sentir fatigué. Tout ça est comme ok. Tout ça c'est bon. Écoute-y. Mais pour Koffi, la scène est aussi son laboratoire. Ce soir, pour la toute première fois, il teste l'efficacité de son dernier générique, intitulé Selfie, extrait de 13e Apôtre, son ultime album. L'album 13e Apôtre, c'est mon dernier album de chansons inédites. Donc peut-être que je ferai un album de reprises. J'aime tellement l'idée que je rêverais de chanter Koffi Hallyday et Eddy Mitchell. Ça c'est vraiment un rêve de rechanter Ne me quitte pas, tout ça. Ça, c'est pas encore un projet, mais pour l'instant, je ne m'écrirai plus de chansons pour moi.
j'écrirai pour les autres, je vais encadrer les jeunes, je ferai des albums pour les autres. Je pourrais faire des featuring dans leurs albums, chanter avec eux, mais je ferai toujours mes concerts. J'ai tellement de chansons que j'en oublie dans les concerts. Donc j'ai 30 ans de concerts si on veut. Je continue d'être le chanteur sur scène d'ailleurs. Je ne sais pas si mon élément préféré n'est pas la scène. Voilà. Je suis à mon 20e album, je pense avec un relatif succès. Et je sais pas si je suis pas le seul au Congo. Je pense que les gens peuvent déguster avec plaisir pour tout ce que j'ai déjà fait. Ils n'ont jamais suffisamment de temps. Dans leur voiture, j'ai 300 et quelques chansons. Donc chaque jour, je rencontre quelqu'un qui me dit que moi, ma préférée, c'est celle-ci. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Donc j'aimerais que, bon, écoute, on fasse le point. Donc c'est uniquement pour ça, je pense qu'on peut se mettre à écouter maintenant les Kofi. Martin Chamoulès. Yamaya Brésil. Papi Komba. Yamaya Paris. Dalanya. Yamaya Braza. Ouais. Moïse Katoum. Que ses fans se rassurent, 13e apôtre ne signe donc pas les adieux du grand Mopao à la scène. Bien au contraire, pour Kofi, cet album est avant tout un hommage à ses auditeurs pour les remercier de leur fidélité. Il continuera encore longtemps à partager du bonheur sur scène au plus près de son public. Le dénominateur commun, c'est le cœur, c'est le respect, c'est l'amour que j'ai pour les gens qui m'ont fait, pour le public, que je n'aime pas appeler public, pour mes amis de partout. Voilà, c'est-à-dire ces gens-là, les Kofi-fils, les Kofiettes, qui sont partout, qui sont disséminés dans tous les pays africains. Donc c'est le dénominateur, c'est le respect, c'est l'amour que j'ai pour eux, l'amitié que j'ai pour eux, la reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre qui était conchée dans une bouteille qu'on m'avait offerte. Et le monsieur disait, quelqu'un que je ne connais pas dit, nous sommes tous un peu les otages de ta musique, de Tchatcho. Ça a commencé par moi, le papa. Après, il y a eu mes enfants. Et maintenant, c'est mes petits-enfants. Quand je vois des mamans et leurs enfants, des papas et leurs enfants dans mes concerts, être heureux de la même façon, être en train de vibrer de la même façon, c'est un bonheur indescriptible, oui. Le lendemain, Kofi nous accueille chez lui pour un petit tour du propriétaire. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'homme et son quotidien. Et ça tombe bien, sa femme et ses trois enfants sont venus pour les vacances d'été. Le monde est petit. La ville est qu'un jeu. Ici, c'est là. C'est le secteur qui nous fait vivre. Donc, ça n'a pas l'air comme ça, mais sans ici, on ne sait pas vivre. On ne sait pas prendre les grands airs ici, c'est des appartements. Là, c'est mon studio son. En haut là, c'est mon studio, mon petit studio, son home studio son. Voilà. Tout part de là. C'est cool là. Voilà. Mais dis, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà Mister Rose, Didi Stone. La nuit. Elle fouillait trace. En fait, elle était en train de faire des yeux au plat. Explique au monsieur. Il y a un peu de sel. C'est quand même une chose d'avoir une fille qui se fait en anglais. Hein. Je ne suis pas mondain. Je n'aime pas m'exposer trop. Je suis un peu chez moi. Je suis un peu casanier avec mes vrais amis. Il y a même des gens qui sont surpris que moi je suis marié depuis 21 ans avec la même femme, avec ma même femme, celle qu'on appelle grand prêtre mère, mère s'entend Alia, que j'ai chanté dans 12e Dan et dans Alia. Et qui a une chanson dans l'album 13e apôtre qui s'appelle Patronne, patronne de mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je dis ça. Que je suis papa, j'aime mes enfants, ça surprend.
Oui, il n'y a pas de rapport. Hein. Moi, je suis dans mes baskets, dans mon short, quand je quitte la scène. Je ne suis qu'un mec normal. D'ailleurs, je l'ai dit une fois, Mopao Motonakatiabatu, un homme parmi les hommes. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme. Pour Kofi, c'est Aliane qui est le pilier de sa vie depuis plus de 20 ans. On l'appelle grand prêtre-mère, 12e dan. En matière de beauté, elle est 12e dan. Où est-ce que vous êtes rencontré? En France. En France. En Paris, il y a mon frère qui est mort, Didi. Et comment on appelle ça? On donne un vin d'honneur. À la fin du deuil, le 40e jour, et j'avais invité le meilleur ami de mon frère, qui s'appelle Huberti, et celle qui allait devenir ma femme, ça fait 21 ans maintenant, est venue avec Huberti, le meilleur ami de mon frère. C'est une grande star quand même, il faut dire, à l'époque. Hein. Quand je l'ai connu, pour moi, c'était une star. Mais aujourd'hui, c'est mon mari, je le vois, je le regarde différemment. Je ne le vois pas comme une star, c'est mon homme. Mais le jour où je l'ai vu, c'était quand même, j'étais impressionnée, il faut le dire. Et quand ils sont venus me dire bonjour, j'ai dit à Huberti, comment se fait-il que toi, tu peux avoir une si belle copine et moi rien? Il dit, non, c'est pas ma copine, c'est juste quelqu'un qui aime beaucoup ta musique. Et quand je lui dis, je venais à ta soirée là, et là il a dit vraiment, il voulait bien aller. Il dit, ah, franchement, c'est pas une femme comme ça, une fille comme ça... peut me dire oui, et la semaine prochaine, je l'épouse. Mmh. J'ai dit à l'enfant, et puis elle m'a pris au mot. C'est pas facile de vivre avec une grande star comme lui. C'est pas facile, mais je tiens les rênes. Mmh. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Ouais, je tiens les rênes. D'accord. C'est pas évident du tout, mais quand on aime, vous savez, on supporte pas mal de choses quand même. C'est pas évident, c'est quelqu'un qui est souvent parti, il faut le dire. On n'est pas souvent ensemble, il faut être forte, sinon on tiendra pas. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, je crois quand même que je suis assez forte. Être fort et soudé. Depuis toujours, la famille est le pilier de la vie et de la carrière de Kofi Olomidé. À l'image de son petit frère Robert, le directeur stratégique de Kofi Central, qui est l'un de ses plus proches conseillers. Car derrière cet apparent bonheur, tout n'a pas été si simple dans la vie de Kofi Olomidé. Sa réussite a attiré les jalousies et de nombreux faux amis. Alors pour se protéger de ses déceptions, le noyau dur familial s'est resserré au fil des années. C'est difficile d'être Kofi au Congo. Tous les gens vous le diront, il y a trop de mensonges, trop de méchanceté sur moi. Il y a trop de mensonges, trop de déshistoires sur Kofi. Toute ma vie d'artiste, c'était ça. Ça a toujours été ça. Et le comble, c'était les danseuses qui ont menti que je les avais violées en France. Et ça, c'est l'apothéose de la méchanceté, quoi. Tout le monde sait que ces trois danseuses avaient menti, mais tout le monde fait comme s'ils l'ignoraient. Mais là où ils sont, je crois, elles sont. Je crois qu'il y a quand même les regrets. Parce que voilà, on ne peut pas marcher comme ça dans la vie. Quelqu'un qui t'a aidé, qui pleut ou qui neige, à un moment donné, il ne faut jamais oublier les points de départ. Voilà, ce qu'ils ont fait. Voilà. Je leur laisse avec leur conscience. Parce que nous connaissons un peu la vérité. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il en a parlé aussi de ça, voilà. Des accusations. Voilà. Donc c'est pas bien. Le monsieur, il a un cœur, Kofi. Il a un cœur qui saigne. C'est de la chair, c'est pas du métal. Parce qu'au-delà d'être une star, un chanteur, je suis un homme. Je suis très homme. Et quand je dis que je suis heureux, c'est l'homme. Forcément, le chanteur, c'est l'homme que je suis. Et l'homme prend toujours le dessus, heureusement pour moi, sur la vedette que je suis. Oui, je suis un homme heureux, oui. J'aime mes enfants, des beaux enfants. Je suis même heureux avec les difficultés que je rencontre, parce que c'est ça qui me stimule et me motive. Il aime vraiment. Parce que si tu regardes le nombre de fois que Kofi a été déçu, on lui a fait du mal, ceci, cela, mais il pardonne tout. Des fois, moi, il y a des choses qui m'énervent. Ça m'indigne, je l'appelle, je lui explique, il rigole. Ah, Robert, vraiment, comment tu peux t'emporter à cause de ça? C'est rien, c'est comme ça. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est sa plus grande qualité. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il avance toujours. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, sincèrement. Dans une famille, comme je disais encore tout à l'heure, on protège le sien. Quand il y a un problème, c'est là où on voit les vrais amis.
Mais bon, là où on est maintenant, ce n'est plus le cas. Ça, je le dis haut et fort, parce que moi, je ne suis pas du genre... Voilà. Mais on va se battre jusqu'à la fin. Bienvenue au siège de Kofi Central. Kofi le sait, la meilleure réponse face à la bêtise et la jalousie, c'est l'amour. L'amour des gens, de son public et de la musique. Au diable les palabres, il avance encore plus fort avec son grand projet Kofi Central. Un véritable temple dédié à la musique live, mais aussi et surtout un label attaché à la formation, la production et à la promotion des jeunes artistes congolais. Aujourd'hui, j'ai créé le label Kofi Central. C'est parce que j'aime les gens. Le label Kofi Central, c'est quoi? C'est promouvoir les jeunes artistes congolais d'abord, puis africains qu'ils voudront demain. Comment on peut avoir une idée, Kofi Central, créer un label comme ça, si on n'aime pas à la base les gens, si on n'est pas altruiste? Moi, je me suis dit, j'ai le devoir, après 20 albums, après la carrière que j'ai le devoir d'apporter quelque chose aux jeunes talents, de faire que les gens qui sont plus jeunes que moi, qui viennent dans le métier, explosent aussi un jour, de les aider d'une certaine façon. Et c'est pas Kofi Central que je voudrais le faire. Kofi Central n'est en fait que la traduction en dur de ce que Kofi a toujours fait. Transmettre son savoir et son amour pour la musique. Tout au long de sa carrière, il a apporté son soutien aux artistes, que ce soit à travers le Quartier Latin ou ses nombreux featuring, comme ici sur le tournage du clip du jeune Peggy Tabou, fils du grand Rochereau. Donc c'est lui qui m'a invité sur son morceau. Peggy Tabou, l'avenir de la musique congolaise, la chance, la grande chance, ce garçon, ce beau gosse. Hein? Merci. C'est un honneur pour moi de l'avoir avec. Il n'y a pas d'honneur. Si. C'est juste, j'ai rendu justement les trucs, les choses. Oui, c'est important d'apporter aux autres ce qu'on a accumulé soi-même. C'est-à-dire, vous savez, ça ne sert à rien d'être hyper riche sans aider les autres. Moi, ma richesse, c'est le talent, c'est la musique, c'est le savoir musical, artistique que j'ai pu glaner. Donc, je pense que ce que j'ai apporté aux gens qui sont venus dans le Quartier Latin, ils sont nombreux. Les Soleils, les Fali, les Ferré, les Cindy Le Coeur, les Academia, tous ces gens-là, les Bourouman, Idolo, j'en suis fier, je pense que c'est un devoir, je leur dois ça. En 30 ans de carrière, Kofi Olomidé s'est imposé comme une véritable icône de la musique congolaise. Il a porté plus haut que n'importe quel artiste avant lui la musique de son pays. Avec plus de 20 albums, 300 chansons et des milliers de concerts, Kofi a fait chanter et danser des millions d'Africains de toutes les générations à travers le continent. Car peu importe la gloire, l'argent ou la polémique, tel un disciple de Jésus, Kofi n'a toujours suivi qu'un seul chemin. Celui de l'amour pour ses proches, sa musique et son public. Mais moi je me sens complètement l'apôtre, le disciple de Jésus-Christ. Je fais la même musique parce que ça vient du cœur. J'ai toujours dit que chanter, c'était donner la parole à mon cœur. Quand on est un artiste vrai, quand on est ça dans son sang, et quand on a ça dans son sang, ça perdure. Michael Jackson, il n'y a que la mort qui aurait pu arrêter. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Moi, je pense pouvoir dire que c'est comme Bob Marley. Il suffit de regarder Bob Marley pour savoir qu'il est vrai, qu'il ne triche pas, qu'il ne fait pas ça pour avoir de l'argent, pour avoir une voiture comme un tel, qu'il n'imite personne. Je pense que moi, je suis né dans je suis un enfant de la musique. Voilà. Donc c'est ça qui fait que les gens durent quand ils sont authentiques. Si 13e apôtre est son ultime testament en hommage à son public, Kofi n'est pas prêt de quitter le chemin des studios et de la scène. 13e apôtre n'est pas un adieu, c'est une renaissance.
le début d'une nouvelle ère. Et il est temps pour nous de jouir plus que jamais du formidable héritage qu'il nous a transmis. Car si pour lui la musique est toute sa vie, nous n'aurons jamais assez d'une vie pour toute sa musique.